Toujours nettement distancé par Jean-Marie Le Pen, Bruno Maigret poursuit sa campagne sur les mêmes thèmes. Il n'est pas question de réconciliation entre les deux hommes et le candidat du MNR veut surtout prendre date. Reportage Charles Sanviti et Stéphane Sauter. Monsieur, une entrée. Alors c'est 5 euros. Avec un petit côté Eurobéa, au pays des nationalistes, désormais, on paye avec le sourire en monnaie unique. Et au tourniquet, on se bouscule. Avec toujours cette idée fixe, cogner sur Jean-Marie Le Pen, le concurrent dit déloyal. Le financement du Front National, tout le monde sait qu'il y a des valises qui venaient de l'Irak. Et à la bourse des surenchères, Bruno Maigret se prend aussi à rêver. Il rêve de part d'électeurs et d'un grand marché européen. C'est nous qui représentons ici en France ce qui se fait ailleurs en Europe. C'est nous qui incarnons cette vigueur de renaissance que l'on observe dans tous ces grands pays européens. L'Europe porte les idées nationales au pouvoir en Autriche, en Italie, au Danemark, au Portugal, en Espagne. Bref, une nouvelle épopée latine, et qu'on se le dise, un comble, ici le modèle étranger n'est plus un tabou.